Fighters are well known for their elusiveness, good defensive skills. One of his Calclay stable mates, very good at that, swaying back from the kick. Lertzilla Chumpet or Ratchelin Chan. Jimmy Eric, a very aggressive start. Yeah, there. Traditionally they like to just see if the opponent throws one. Calclay, very experienced, been in the game quite a while. He's a former Ratchelin champion as well, the heavier weight. Obviously come up a bit more, a good push kick to the head there from Eric. Calclay in with some fast counters there. Good body kick there from Calclay. Gándor Singh próbál táncolni, Szakó pedig nem kézzel, hanem lábbal indít. A legkomolyabbak. Most azon. Rögtön az elején úgy gondolja, hogy megmutatja ennek a kis embernek. És nagyon-nagyon volt az az munkáját, de ez volt nagyon nehéz megrúgni. A mérlege 57 győzelemből, azért az nem rossz, úgyhogy jó. Két perc eltelt már, Gándor Singh egyet elején, megint látunk tőle egy ilyet, bár ez most nem sikerül, hoppá, szép. Fejre mért köríves, de nem volt pontok. Kéne mozognia, fürgében, frissebben, nagyon alszik Gándor. Ezt a felütést ezt megúszta, de viszont ez a rugás azért ott volt. Igen, ott aki mondta, hogy tényleg élvezi, hogy ő itt jókat küzdhet. És törhetetlen önbizalommal jön előre. Ugye Gándor Singh egy igazi táj. Szefótól, akitől viszont nem szoktunk sok magas rugást látni, viszont most kak... Ajjajjaj. Ez nem volt olyan pontos, bár itt azért elég rendben. Mondani, hogy lekáozni
megvárja az ellenszert. Nem találja. De la finale. Quart de finale. Un yen sur la victoire de Cao Clay Canorsing face au redoutable puncher K-Mite. Pour cette finale, en remportant notamment le K1 de Séoul, ensuite en battant le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminates. Mighty Mo. Et le voilà. Ce chaos absolument vertigineux ici par Cao Clay. Le précision, un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos à battre. Qui gagnera donc ses galons de demi-finaliste. Et regardez, magnifique, le high kick pute. Et nous espérons d'ailleurs pouvoir vraiment... Gauche. Allez, il va nous faire de belles esquives, c'est sûr. Regardez ce front kick sauter. Parce que là, la différence de poids aurait pu faire de très gros dégâts. Regardez cette droite qui a essayé de trouver une solution face à une cible un petit peu trop mouvante pour lui. Il est victime, on ne le voit pas, mais il est victime d'une intoxication alimentaire. Et il a mon combativité d'Ignacio. Combativité à peu de choses près, hein, les deux. Et le front kick là de la jambe. Bon. Ouais, encore un low kick, Cao Clay. Un. Effectivement, près de 15 000 spectateurs. Oh, encore une belle droite de Cao Clay qui vient de passer. 15 000 spectateurs étaient donc présents pour ces demi-finales le 25 septembre dernier. Et le Grand Dôme de Tokyo, 4 décembre, fera le plein pour la finale. Là, ça va être un peu plus. Hein. Encore 1 minute 30 dans cette troisième. Cao Clay, Canorsing, de pouvoir espérer s'imposer, hein, puisque pas grand monde aurait donné cher de sa peau. Parce que je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à deux extra rounds si jamais les deux garçons ne se départagent pas au terme des trois reprises puis d'un premier extra round. Et il est vaillant, hein, le combattant thaïlandais. Hein. C'est lui qui fait la pression là durant les dernières très belles prestations de Canorsing. Il y a des belles saisies, il remet en low kick. Yachov peiné. Ah, faut y aller là, faut pas attendre. Oh là, le bon crochet du gauche. Ouais, mais bien évité par le Thaïlande. La meilleure solution, eh bien, vous voyez, c'est de bouger, d'envoyer. Tac, de la provoque, enfin tout en même temps. Il a essayé de placer un high kick sauté. Et il n'a pas peur d'aller au contact. Bien marqué, mais il a essayé de placer. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Hein. Je veux dire, Pascal, voilà, on vous faisait cette demi-finale. Il est en plus arrivé dans des conditions un peu... fortement ressenti par le Thaïlandais. Il a essayé de la projeter son adversaire au tapis. Regardez. Alors on va voir ce qui s'est passé exactement. Regardez, c'est le malheureux Canorsing. Alors excusez-nous, hein, on va un peu le fourrir, mais c'est vrai que vu la... Non, et c'est Canorsing ouais, qui gagne par deux juges à un, effectivement, face à l'ex de demi-finaliste.